Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez le voir, cette semaine, on va faire une émission un peu particulière. On va vous parler de composants, on va vous parler de moteurs. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Lors du salon EIMA, Galignani a dévoilé un système capable de presser et d'enrubaner en très grande largeur, son nom, le Speedliner. La gamme de moissonneuses-batteuses M400 Laverda est proposée en 7 modèles, en 5 et 6 secoueurs, dont 2 modèles dédiés à la récolte du riz. Ces machines sont dotées du système de nivellement lors des travaux sur des pentes transversales, jusqu'à 20% de dévers, et pour certains modèles, des pentes pouvant atteindre 30% en montée. La gamme M400 bénéficie d'une nouvelle cabine Skyline Cab avec un siège à suspension, une climatisation automatique, un réfrigérateur et une caméra pour la visibilité arrière. Le constructeur italien Bargam, plus connu pour ses pulvérisateurs, est désormais aussi très présent sur le secteur de la machine à vendanger avec 2 nouveaux modèles qui seront disponibles pour la prochaine campagne. Classe a reçu 2 médailles d'or et 1 d'argent attribuées par le jury d'innovation du prochain CIMA 2013. Il a été récompensé au sein boîtier qui permet de déterminer à tout moment les meilleurs réglages d'une moissonneuse-batteuse. La seconde médaille d'or récompensait une application Isobus pour tablette iPad ou tablette Android qui permet notamment de commander, de gérer le tracteur et les outils attelés. Le jury du CIMA a aussi distingué d'une médaille d'argent la gamme de presse à haute densité Big Baller de New Holland pour son design innovant et la sécurité renforcée. Le capot avant ne peut être ouvert que lorsque la machine est entièrement arrêtée. La prise de force doit être désengagée et le frein du volant d'inertie doit être activé. C'est en effet uniquement lorsque ces deux conditions sont réunies que l'opérateur peut déverrouiller le carter avant. New Holland propose sa gamme de tracteurs T7000 autocommande avec le système de freinage ABS et la fonction Super Steer en version 50 km/h. A noter que le système de freinage est ainsi plus performant en transport routier, mais ce couple ABS Super Steer apporte aussi un plus au champ en matière de maniabilité. Pour la transmission, les T7000 intègrent une boîte automatique à variation continue disponible en version éco à 40 et 50 km/h. Voilà, je vous retrouve ici dans ce pavillon du salon EMA à Bologne qui est consacré aux composants, à l'offre de composants et en particulier dans cet espace où on retrouve beaucoup de constructeurs chinois. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les différents fabricants viennent s'approvisionner en Chine parce que ça coûte effectivement moins cher. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce motoculteur de 7 chevaux coûte à peine 300 ou 350 euros. On le sait, les machines aujourd'hui sont de plus en plus grandes et il faut transmettre de plus en plus de puissance. Alors, on va le voir, il existe aujourd'hui des systèmes de sécurité. Luciano Olivieri, bonjour. Bonjour, la voix. Alors, vous travaillez pour Comair Industries. J'aimerais bien que vous m'expliquiez, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui dans des boîtiers, comme celui-là par exemple pour une ensileuse de type Jaguar, comme sécurité pour qu'il n'y ait pas de casse au démarrage? Voilà. Mais en ce type d'application, comme vous voulez, une machine très importante avec beaucoup de boîtiers, de transmissions. Qu'est-ce que nous avons fait pour protéger la machine? Nous avons considéré d'avoir un système de boîtiers d'engrenage avec une transmission hydraulique et une transmission mécanique. La transmission hydraulique qui est à l'intérieur de ce type de boîtiers a la raison d'être pure. Avoir un décalage du haut doit avoir moins puissance à gérer dans le moment que nous allons démarrer les machines. Et ça signifie que nous allons démarrer seulement la barre de coupe que vous avez là. Et nous n'allons pas à mouvementer tout le reste. Okay? Ça signifie que dans le moment que nous avons démarré la machine, après nous allons mettre en mouvement tout le reste de la machine. Ça signifie d'avoir un absorbement de puissance inférieure et nous n'allons pas prendre les 60 chevaux de l'insuleur automotrice. C'est un embrayage de type hydraulique? Hydraulique, oui, c'est sûr. Au lieu de ce type d'embrayage, d'embrayage qui va être de type mécanique. Merci beaucoup. Bienvenue, merci à vous. Peut-être avez-vous déjà eu l'idée de pouvoir installer des chenilles sur des matériels qui n'en avaient pas. Alors aujourd'hui, il est possible de s'approvisionner. Et je suis en compagnie de Lorenzo Gini. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors vous êtes au service commercial d'Innova. Vous êtes spécialisé dans tout ce qui est chenilles. Aujourd'hui, qui peut installer ce type de chenilles sur ces matériels? Donc, surtout le constructeur de machines à forage, des nacelles,
et sur le secteur industriel. Pour ce qui concerne le secteur agricole, on a des clients qui font des engins pour tout ce qui concerne la récolte des légumes et aussi pour ce qui concerne la cultivation dans les vignobles. Alors, effectivement, un train de chenille aujourd'hui, c'est utilisé pour éviter la compaction du sol, notamment, ou pour la motricité. Quand on regarde, c'est relativement simple. C'est quoi, ces deux moteurs hydrauliques? Oui, il y a le châssis. Souvent, on vend seulement les deux trains de chenille sans rien, donc détaché, on peut dire. Il y a un moteur à traction hydraulique, le réducteur. Ça, c'est le seul modèle avec moteur en traction directe. Et normalement, le réducteur est équipé avec un frein. Et en termes de coût, ça coûte combien? Donc, pour vous donner une idée, le moins cher, c'est celui-ci. Il coûte environ 1600 euros. Ça, c'est un prix net et les frais de transport ne sont pas compris parce que normalement, c'est le client qui vient chercher l'équipement. Et ça correspond à des puissances de quel ordre? Donc, on peut charger une machine agricole jusqu'à 105 kg. Merci beaucoup. À vous, monsieur. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Vous allez le voir, on trouve des capteurs partout et en particulier dans les essieux. David, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de Colaert. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les essieux, il y avait des capteurs, par exemple, pour l'ABS. Mais aujourd'hui, il y a même des capteurs qui ne sont pas forcément dédiés pour le freinage. Oui, c'est vrai. Effectivement, la technologie, elle évolue. Et la possibilité aujourd'hui qu'on a, c'est d'avoir des capteurs qui sont intégrés dans les essieux, qui sont à l'intérieur des essieux protégés à l'abri de tout. Et cette capteur, il nous permet de faire des choses, d'évoluer dans les produits pour résoudre des problèmes qui aujourd'hui sont des problèmes très importants pour tous nos utilisateurs. Alors par exemple, là, on a un essieu suiveur. Alors jusqu'à présent, il fallait avoir un vérin relié au tracteur. Là, vous avez un système qui est autonome parce que le capteur est capable de repérer le sens d'avancée donc de la roue. Est-ce que ça va vers l'avant ou vers l'arrière? On va bloquer un vérin ou l'autre en fonction du sens d'avancée. Oui, c'est bien ça. Si les tracteurs sont en train de marcher en avant, on bloque cette vérin, ça veut dire que tout l'ensemble, il pivote sur cette pointe. Avec un système bloqué sur cette pointe, la position des forces, la géométrie de notre ensemble, il permet à la roue de suivre exactement la trajectoire comme un suiveur classique et marche avant. En inverse, quand on marche à l'arrière, cette vérin, il est libéré. Et cette vérin, il est bloqué. Et toute dernière question, ce capteur va aussi mesurer la vitesse d'avancée et ça peut avoir un intérêt pour un essieu suiveur. Oui, alors l'effet de pouvoir mesurer la vitesse, il a un intérêt très très important pour la sécurité parce qu'à une certaine vitesse qu'il est définie et que nous... 20 ou 30 km/h, le système il est bloqué et il devient avec trois essieux rigides. David, merci beaucoup. Merci. Comment va évoluer le design des tracteurs? On va pouvoir en parler avec Alberto Fumagalli. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes designer et ce qui est intéressant, c'est que vous faites partie d'un cabinet qui a travaillé donc dans les trains, dans le design automobile. À votre avis, quelles sont les particularités du design des tracteurs? Mais c'est sûr qu'au contraire de l'automobile, dans le tracteur, on passe tellement de temps que ça doit être pensé, l'intériorisme, comme une ambiance de travail plus qu'une ambiance de mouvement, de mobilité. Alors tout le système que le conducteur doit gérer sont plus compliqués, l'attention c'est plus dédiée au travail qu'à la conduite. Si vous regardez les volants d'un tracteur, c'est très simple. Si vous regardez tous les systèmes qui sont autour de la conducteur, c'est vraiment une complexité.
Alors, nous avions interviewé un agriculteur dans l'émission Power Boost qui nous disait « Mais moi, aujourd'hui, j'ai des parcelles de plus en plus grandes, une exploitation de plus en plus grande. Je passe des heures au volant de mon tracteur et je ne peux pas me nourrir. Il n'y a pas, comme dans les avions, une table. Est-ce qu'il ne faut pas repartir sur des choses simples dans les cabines des tracteurs pour les conducteurs ?» Alors, si vous pensez qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas un endroit où mettre votre téléphone. Maintenant, on a un endroit pour les téléphones qui s'est pensé. Il y a un endroit pour des bouteilles à porter avec vous. Et le futur, ça doit être de récupérer de l'espace que la technologie nous peut donner pour faire un petit réfrigérateur, pour donner une petite tablette, pour donner un service en plus pour une personne qui est vraiment dans une, si vous acceptez, instrument de mouvement, il vit et il fait du travail dedans. Vraiment, et ça peut être un futur niveau de la sécurité et aussi du confort qu'on est en train de chercher dans cette ambiance. Merci beaucoup. À vous. Au revoir et à la prochaine année. Vous souhaitez en savoir plus sur la consommation des matériels? Ne ratez pas le colloque organisé le 6 décembre prochain à Paris par le réseau mixte technologique Agroéquipement Énergie. Son thème, accroître la performance énergétique et économique des agroéquipements. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais n'oubliez pas que toute l'actualité du machinisme, c'est sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.